Alors, on va aller chercher le chat. Ok, le chat, je vais donc passer en mode Quick Mask en cliquant sur l'icône du Quick Mask. Je vais dessiner sur le chat. Et je vais voir si ce chat convient. C'est pas vraiment un squelette, c'est une grille qui se met sur l'objet en fait. Hein. C'est une grille qui se met sur l'objet, voilà. Ben, c'est pas des petites animations ici, hein, des petites animations par déformation de silhouette. Tu parles d'animation de personnage, mais comment en 3D On peut mettre des squelettes aussi, mais ici c'est pas le cas. C'est pas des squelettes, ce sont juste des projections sur des objets 3D, en fait. Ouais. Ok, le chat, je le convertis en objet dynamique aussi, et je vais lui mettre la déformation de la marionnette. Donc le filet ne se voit pas, mais il est réellement là. C'est parce que j'avais demandé de ne pas le voir précédemment. Alors, astuce. Lorsque vous avez affaire à un objet à bord flou, si vous mettez le filet, si vous mettez la marionnette dessus sans rien faire, il est possible que le bord du flou, les poils, soient coupés. Il faut élargir un peu avant de déformer avec le curseur ici expansion. Il était sur 2 pixels, j'élargis un peu de manière à ce que le filet s'agrandisse. Et là, je suis sûr qu'il inclut même les poils les plus flous de la bestiole chat. Donc avant de mettre les punaises, on joue sur l'expansion quand on a affaire à un sujet à bord flou. Sinon, ça va raser de près le sujet, il y a un risque. Là, je peux enlever l'affichage du filet puisque je l'ai déjà... je viens de le modifier. Ok. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement. Vaut mieux trop enregistrer que pas assez. Donc, je viens d'appliquer la déformation de la marionnette sur le chat pour vraiment mettre les punaises et changer sa position. Je double-clique sur le mot.
Je mets des punaises. Et voilà. Et la bestiole peut être changée. Touche Alt pour supprimer des punaises. Donc en fait, le chat, typiquement, je vais faire une espèce d'écrasement grâce à une punaise ici. Voilà. Il y aura peut-être un effet d'écrasement comme ça. On va voir. Grâce à la punaise ici, je pourrais tourner la tête avec la touche Alt. Pauvre bièce quand même. Donc en même temps qu'il sera écrasé, il va relever la tête en fait. Voilà. En même temps que j'irai bouger la punaise ici, quand le chien descend sur lui, il va relever la tête. Voilà. Bon, ben les punaises sont en place.